Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, la ministre française, qui s'étonne, elle aussi, regardez, avec le taux de mortalité autour de Vladimir Poutine, le taux de mortalité parmi ses proches est particulièrement élevé. C'est une activité à risque, voilà, un communiqué tout en ironie. Et puis son homologue allemande, regardez la chef de la diplomatie allemande, qui, elle, déclare « Ce n'est pas un hasard que le monde entier regarde maintenant vers le Kremlin quand un ex-proche de Poutine en disgrâce tombe littéralement subitement du ciel, 2 mois après avoir tenté une rébellion. » Ça, ce sont des conclusions à laquelle arrive quasiment le monde entier. On a vu Joe Biden hier, qui, pour lui, ça ne faisait quasiment aucun doute. Et Joe Biden avait même donné un conseil à Prigogine de regarder, enfin de bien faire attention à ce qu'il pouvait, y avoir dans sa nourriture. C'était il y a quelques semaines. Donc, quand même, on se disait bien qu'après ce qui s'était passé le 23 et le 24 juin, il avait quand même une cible sur le dos, Prigogine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sur les chaînes russes, par exemple, Margarita Simonian, la patronne de RT, vraiment le canal officiel de Vladimir Poutine, qui explique que d'après elle, quand même sur Twitter, elle dit « Bon, je penche vers la piste la plus évidente ». Bon, quand elle dit ça, ça veut bien dire qu'elle vise directement Poutine. Alors, le nom du commanditaire, vous voyez bien, Zelensky fait la même chose, n'est pas cité, mais ça paraît quand même assez évident à beaucoup de monde. Finalement, parce que tout ça est un message qui est envoyé aussi aux élites russes, ce crash d'avion qui est miraculeusement d'ailleurs filmé. Vous remarquerez qu'on a l'image d'ailleurs de l'avion qui tombe, finalement le symbole de la chute même de Prigogine. Il y a une volonté de montrer aussi et de mettre en garde ceux qui seraient tentés par d'éventuelles rébellions. C'est un avertissement aussi. C'est un avertissement. Jean Glinassi, vous êtes d'accord? Regardez d'ailleurs ce que dit l'ISW, l'Institut de la guerre, vous savez, ce think tank américain. Poutine a presque certainement ordonné au commandement militaire russe d'abattre l'avion de Prigogine. Il est extrêmement peu probable que des éléments de l'armée russe, en particulier le ministre de la Défense de Sergueï Shoigu ou le chef d'état-major, exécute Prigogine sans l'ordre de Poutine. Vous êtes d'accord avec ça? Forcément, ça passe par le président. En tout cas, sans son feu vert implicite, soit c'est très probable que ce soit Poutine, soit c'est un état de délitement de l'armée russe et de l'administration russe qui, à mon sens, est peu probable. Donc, effectivement, l'Institut de la guerre a raison. Poutine a donné son aval explicite ou implicite à cette affaire. Et ça lui permet d'envoyer plusieurs messages. C'est ce que disait Magali. Je ne suis pas faible, parce que ça lui était reproché après le coup de force de Wagner où rien n'était fait. 2, ma vengeance peut prendre du temps, mais vengeance il y aura. 3, justice est rendue, parce que Natalia le rappelait quand même, il y a 13 militaires russes qui ont été tués pendant ce coup de force. Bon ben là, ils sont vengés. Alors, je vais apporter quelques nuances. D'abord, justice est rendue, non. Du point de vue de l'armée, bien sûr, il faut appeler les choses par ce qu'elles sont. La justice n'est pas rendue, il n'y a pas eu de procès. La première chose qu'on oublie, parce qu'on est noyé par la recherche des hypothèses, mais ce qui est manifeste comme un éléphant dans la salle de bain, c'est que la norme de ces pouvoirs, c'est l'élimination des ennemis. Et plus on est proche du pouvoir, plus on est éliminé violemment. Karamurza, pour des mots, il a un procès et il est en taule pour 25 ans. C'est ça. Navalny, il a repris 19 ans de plus, etc. Et puis plus vous vous approchez, plus c'est violent. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, devant les BRICS, Poutine se présentait comme le partisan d'un ordre juste. Quelle justice? Non. Il n'y a pas de justice, c'est l'ordre de la violence. Vous comprenez bien quand je dis justice est rendue, point de vue des militaires russes qui attendaient vengeance de leurs militaires. La vengeance, ça n'est pas la justice. Ils ont leur vengeance. Si on veut dire précisément les choses, ils ont leur vengeance. Et c'est ça qui me paraît. La deuxième chose, est-ce qu'il y a besoin encore d'un message sur la violence du pouvoir? Ça, je ne crois pas. Message que disait Magali, à ceux qui tenteraient encore de trahir. Ce que je crois qui se passe là, c'est que ceux qui pensent que maintenant il faut mettre un terme à ça ne feront plus comme Prigogine. D'ailleurs, un des messages qu'il y avait sur les chaînes Telegram, c'est quelle est la leçon à retenir de ce qui s'est passé? C'est qu'il ne faut pas s'arrêter en route.
Donc c'est-à-dire que Prigogine aurait dû aller jusqu'au bout. Et il y a des gens qui disent qu'il aurait dû aller jusqu'au bout. C'est parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout que finalement il est mort. Oui, c'est ça. Donc, et on a ouvert, si j'ose dire, puisqu'on est dans un État qui est de structure mafieuse, politico-mafieuse, avec des imbrications des services de sécurité. Enfin, c'est un intérêt assez complexe. Ça veut dire qu'on a ouvert, si j'ose dire, l'heure de la vendetta, en réalité, entre les membres du pouvoir, et que plus personne n'a confiance en personne. Et donc, je pense que Poutine va trembler encore plus, parce qu'il sait, lui, que demain, s'il y a une occasion de le descendre, il sera descendu. Ah, donc lui aussi, il a une... Mais bien entendu, l'avertissement, s'il vaut pour les autres, il vaut pour lui aujourd'hui. Ce régime, comme Jean de Glignassy disait tout à l'heure, se délite. Et c'est le signe ultime de son délitement. Sinon, s'il avait été assez fort, on tenait Prigogine, on organisait dans le long terme la mise en scène d'un procès, etc., qui ne serait jamais venu peut-être, en tout cas pas tant que l'ordre du pouvoir ne serait pas réglé et que la guerre ne serait pas finie, mais on aurait tenu les apparences. Vous savez, dans le monde soviétique, les apparences de la justice et du droit, c'était très important. Et là, ça vole en éclats. Mais c'est même, et puis ça va plus loin, parce que vous parliez, c'est de plus en plus spectaculaire quand on est dans son entourage. Là, pour moi, c'est une mort en direct, parce que Magali le disait, tout a été filmé. Mort en direct de toute la tête pensante de Wagner qui était dans ce même avion, et on est à quelques encombrures de la dalcha de Vladimir Poutine. Donc ça veut dire que le signal, il est extrêmement fort, en plus du symbole de la chute de Prigogine. Le signal, là, il est clair, non ? Oui, alors, il y a quand même d'autres hypothèses aussi, parce que le délitement de l'État, il était plus fort avant la mutinerie et l'échec de la mutinerie qu'après. Et donc, il n'est pas exclu que ceci rentre dans une démarche de la part du président russe de resserrer les boulons. Parce que Prigogine a été le dernier d'une série de purges, Sourovikine, Popov est parti, d'autres officiers ont donné leur démission, et donc on sent que, alors en plus ce qui se passe en dessous du niveau de la mer, si j'ose dire, sous la ligne des radars, à l'intérieur des services de sécurité et tout ça, donc on sent qu'en fait il y a une reprise en main de l'État. Et donc le délitement, il était plutôt avant, et donc l'interprétation est possible aussi que Poutine essaye de resserrer les boulons et de recréer l'État, et de, en fait, il va s'abriter en quelque sorte derrière la mort de Prigogine, ou utiliser cette mort pour dire maintenant c'est fini, arrêtez de jouer. Poutine a fait appel à Prigogine. Prigogine, c'est pour ça d'ailleurs que les mini-blogueurs sont souvent élogieux vis-à-vis de Prigogine, c'est que quand on a fait appel à Wagner, c'est parce qu'il y avait plus une seule troupe russe face aux Ukrainiens en septembre, quand les Ukrainiens ont percé à Kharkov. Et puis ensuite, on a eu besoin de lui aussi à Bakhmout. Et c'est un compliment indirect que les Américains ont fait d'ailleurs à Prigogine en disant les Ukrainiens ont perdu énormément de temps et de moyens en se concentrant sur Bakhmout. Ils sont tombés dans un piège, on leur avait déconseillé de le faire, etc. Donc, en fait, Prigogine a été utilisé. Il a rendu service, mais il a dépassé un certain nombre de lignes rouges. Il commençait à devenir dangereux pour le pouvoir de Poutine et pour l'État. Dans l'esprit de Poutine, c'est les deux, par le coup d'État, par tout ça. Et donc, il fallait l'éliminer pour renforcer l'État autour de Poutine. C'est ça. Natalia, c'est une reprise en main, là, de Vladimir Poutine ? Oh, pas du tout. Ah bon ? Pour moi, au contraire, il est plus que toujours affaibli. Ouais. Je pense qu'on parle de la dévaluation du rouble. Moi, je pense que Poutine est dévalué après ce qui s'est passé, effectivement. Et je voudrais juste préciser que Wagner, c'est une drôle d'organisation qui réunit le contrôle de FSB sur une troupe, une division de GRU qui est l'armée. Et Poutine, en fait, a passé le budget de cette organisation à l'armée. Et du coup, FSB, ce budget qui était énorme, il lui a échappé. Du coup, FSB voulait remettre la main. En fait, c'est ça le fond du problème. Qui est très puissant en Russie. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est ces deux composantes de l'État russe qui sont depuis toujours dans un état de haine. Et là, en plus, il s'agit de l'argent. Donc, pour la version de la vengeance de l'armée, j'ai un élément à apporter. Le même jour que l'avion de Prigogine a été abattu ou a explosé en vol, il y avait un hélicoptère avec un pilote et un hélicoptère dernière génération qui s'est rendu aux Ukrainiens de son plein gré à Poltava. Donc, au fait. Donc, Poltava, c'est. Poltava, c'est en Ukraine, oui. Ce qui veut dire qu'il y a
comme s'il y avait quelque chose, parce qu'avoir aujourd'hui cette division des volontaires, la Russie libre, sont en possession d'un hélicoptère dernier cri avec son pilote. Au même moment que Prigojine est abattu par, normalement, la défense aérienne. Moi, je vois des signes. Et en fait, Poutine, qui est tellement ami avec Shoigu à cause des choses chamaniques, pour lui, les symboles, c'est très, très important, bizarrement. Et je vous rappelle que le 24 août, c'est le jour de la nuit de Saint-Barthélemy, et Prigojine... Oui. Vous, souvenez-vous le SMS qu'a envoyé Outkine. Ouais. Si vous, je ne sais plus exactement quel si est. Vous les tuez-les tous. Enfin, quelque chose. Et sinon, on va à Moscou et on va vous faire la nuit de Saint-Barthélemy. Ah. Et en fait, ils l'ont eu eux. Cette nuit de Saint-Barthélemy. Je suis persuadée que, vous savez, Poutine, il est attaché au symbole. Il est très, très attaché à tous ces trucs un peu païens, un peu symboliques, tous ces tatouages, toutes ces procédures avec les animaux qu'il fait en Sibérie, très, très chamanique. Donc, c'est pas par hasard, cette date. Donc, il y a forcément. Voilà. Et puis, ça rappelle la Et après, en ce qui concerne le fait qu'ils se sont retrouvés tous les trois dans le même avion, ouais. Tout le monde dit, mais comment ça se fait ? J'ai l'impression que c'est, au fait, dans le monde d'affaires, c'est un peu connu quand quand les gens qui ont une importante affaire, ils vont dans un avion parce que c'est le seul endroit où on n'écoute pas. Et Dieu sait qu'en Russie, il y a le FSEO, une autre société qui met tout le monde à l'écoute. Et si Prigojine venait de l'Afrique voir Poutine, ça veut dire qu'il y avait en jeu une proposition tellement énorme qu'il ne voulait pas que ça fuite. D'accord. Il venait le voir. D'accord. Et enfin, il y a... Dernière chose, et j'en termine là, le pilote de Prigojine, parce qu'il avait un pilote, cet avion, c'est un avion tout à fait civil, n'importe qui peut le prendre, ouais. Vous pouviez le prendre, je pouvais le prendre si on avait les moyens. Mais c'est pas un avion privé de Prigojine. Ouais. En revanche, il avait un pilote. Et ce pilote, bizarrement, est disparu. Et c'est lui qui a demandé que cet avion soit passé à révision. D'accord. En fait, ça aurait été préparé. Il y aurait eu un traître. Parce que personne ne sait où il est passé. Il paraît qu'il est à Kamtchatka. Enfin, il était mis sous les sanctions. Ça prouve que c'est quand même très préparé. Il était mis sous les sanctions et il était très scandalisé par le fait qu'il était simple pilote de Prigojine et il voulait se débarrasser de ça. D'accord. Donc, je n'avance rien. Mais si jamais c'était. Qui peut enlever les sanctions ? Les États-Unis. Parce qu'il était mis sous sanctions aux États-Unis. Donc il y a énormément de, oula, de voilà, composantes c'est... de puzzle qui... Donc on pensait que c'était un billard à trois bandes, en fait il y en a dix. Ouais. Juste on rappelle, quand vous parlez des trois étaient en même temps dans le même avion, effectivement ça nous a tous étonnés, c'est la tête de Wagner qui était dans l'avion, parce qu'il y a dix victimes, donc les trois membres de l'équipage. Et regardez dans les passagers, donc il y avait évidemment Yevgeny Prigojine, il y avait aussi le fondateur, presque l'âme de Wagner, c'est Dmitri Outkine, et puis quelqu'un qui s'appelle Valérie Tchekalov, qui était chargé de la logistique. Voilà ce que vous vouliez. Donc je voulais préciser les trois dont vous vouliez parler. Juste, on avait commencé avec Vladimir Poutine, qui a au même moment participé à ce grand raout des 80 ans de la bataille de Koursk. Il a aussi pris la parole à un moment donné sur scène. C'était retransmis à la télévision. Alors nous, évidemment, on s'était dit, peut-être qu'il y a un message subliminal dans la prise de parole. On va l'écouter, vous allez nous dire si ça, peut-être faire, ça pouvait faire écho peut-être à ce qui se passait au même moment entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Toute notre force aujourd'hui, comme au temps de la Grande Guerre patriotique, repose avant tout sur vous, sur nos soldats, ceux qui sont en première ligne, des sergents, des combattants, des éclaireurs, ceux dans les chars, dans les véhicules de combat, nos artilleurs, des pilotes, tous ceux qui combattent avec courage et détermination. Et ce qui les unit, c'est le dévouement à la patrie et la fidélité. Bon, alors peut-être que voilà, j'écoute avec le prisme la mort de Prigojine simultanément, mais quand même le dévouement et être fidèle à la patrie, bon, ça pouvait aussi faire écho à Prigojine. Le mot de loyauté, évidemment, quand on refait le film des événements et les accusations, évidemment, tout de suite de Vladimir Poutine le matin du 24 juin, lorsqu'il le traite de traître, à plusieurs reprises, à la patrie, il explique que
dans cette allocution où manifestement il apparaît pris de court par la mutinerie qui se déroule à ce moment-là, parce qu'il fait référence à 1917 quand il affirme que c'est une guerre fratricide qui risque de se dérouler. Prigogine, l'ami de 30 ans qui a trahi Vladimir Poutine, a l'air pris au dépourvu. Et puis il y a ces 2 mois qui s'écoulent assez étrange finalement, où tout le monde s'attend justement à ce qui s'est passé hier, et puis finalement rien ne se passe, les choses vont plus en douceur, c'est-à-dire qu'il débranche Prigogine et l'Empire Prigogine bout par bout, en fait. C'est ça ce qui s'est passé pendant 2 mois. Il a pris ces 2 mois pour faire ça. Il a pris ces 2 mois pour faire ça, pour reprendre, démanteler l'Empire Prigogine, le démanteler et reprendre, nationaliser finalement ces entreprises. Et on voit bien la façon dont le GRU, les renseignements militaires, sont en train de reprendre la main, notamment en Afrique, avec le patron des opérations clandestines qui a fait sa tournée en Afrique et qui explique maintenant aux dirigeants africains que c'est plus Wagner, mais c'est lui. C'est lui qui est en place. Et d'ailleurs, ce colonel a été officiellement présenté lors du sommet Russie-Afrique à la fin du mois de juillet. Il y a une vidéo qui tourne où on le voit être officiellement présenté au chef d'État. Donc il y a une volonté de reprendre les activités de Wagner, dont Poutine ne peut pas se passer. Wagner, c'est pas seulement les soldats qui sont sur le terrain, c'est aussi les mercenaires plutôt, c'est véritablement un outil d'influence, notamment sur le sol africain. Il n'est pas question pour Poutine de s'en passer. Évidemment. Et finalement, il y a eu quelques éléments ces derniers temps qui ont certainement quand même peut-être mis la puce à l'oreille de Prigogine, que les choses étaient en train de mal tourner. Quand Sourovikine, la veille justement du crash, est le général de l'armée de l'air, qui était manifestement le relais quand même de Prigogine au sein de l'armée russe, est officiellement limogé, qu'un certain nombre de ces militaires qui étaient des soutiens de la mutinerie en cours sont débranchés. On voit bien que l'étau se resserre. Prigogine lui-même paraît assez inquiet et enregistre cette vidéo depuis le sol africain, depuis le Mali, en refaisant allégeance quelque part à Vladimir Poutine. Mais on voit que ça ne suffit pas, parce qu'à ce moment-là, certainement, le Kremlin pense qu'il peut se passer de Prigogine, qu'il a suffisamment justement détricoté l'Empire pour pouvoir en assurer, garder les manettes. Ah, donc il y avait une espèce l'étau de préparation. L'étau se resserrait, et donc effectivement Poutine a mis 2 mois pour préparer le remplacement de Prigogine à la tête de Wagner. Vous allez pouvoir réagir, mais on voulait rejoindre notre correspondant Jérôme Garraud, donc toujours à Moscou. On parle de Vladimir Poutine, mais on est d'accord, il n'y a toujours pas de réaction de la part du Kremlin, là, à l'heure où on se parle. Pas de commentaires de la part des autorités. Silence radio du côté du Kremlin. Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin depuis Moscou en visioconférence au sommet des BRICS qui se tient à Saint-Pétersbourg, où il n'a pas pu se rendre. Mais aucune allusion au crash, ce qui n'est pas très étonnant de la part du président russe. Figurez-vous qu'aujourd'hui, à la télévision, ce sont ces images de Vladimir Poutine en train de parler qui passent en boucle. C'est ça qui est à la une. Et finalement, la mort de Prigogine est plutôt brièvement traitée par la télévision, comme s'il s'agissait d'un personnage de second plan, et comme si cette actualité était finalement un fait divers. Donc le Kremlin ne dit rien, aucun responsable politique de premier plan pour l'instant ne se risque à faire un commentaire dans un sens ou dans l'autre, comme si pour l'instant tout le monde était un petit peu dans l'attente, comme s'il ne s'était rien passé hier. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Jérôme. Comme s'il ne s'était rien passé, surtout, tout est fait pour essayer de ne pas assurer la responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des messages à envoyer. Pourquoi le pouvoir brouille les pistes comme ça ? D'abord, c'est business as usual. Mmh. C'est-à-dire que il a toujours fait ça, en effet. Donc, Prigogine revient au néant dont on l'a sorti, en fait. C'est exactement ça, dans l'esprit de Poutine. Deuxièmement, il y a le message aux Africains, mais qui avait été passé. Dès le lendemain de la mutinerie, Lavrov avait dit Wagner reste présent, en tout cas la Russie reste présente en Afrique. Donc business as usual, ça veut dire c'est un non-événement. Alors,
pour ajouter à l'excellente analyse de Magali tout à l'heure, je dirais que pour arriver à ses fins, Poutine, en fait, avait passé un accord avec Prigogine. Oui. Dès le lendemain de la mutinerie, il y a eu 3 heures d'entretien. Et d'après ce qu'on sait, et d'après ce qui est sorti dans la presse, il y avait 3 éléments dans l'accord, en dehors de questions de sécurité, d'argent, mais qui ne sont pas sortis. Prigogine continue ses activités en Afrique. Fin de Wagner en Ukraine et en Europe, et Prigogine récupère ses activités commerciales, puisque entre-temps on avait saisi son argent, etc., etc. Et donc c'est ces 3 éléments que progressivement, à mesure que Poutine renforçait son emprise sur son armée en éliminant progressivement les éléments favorables à Wagner, ces 3 éléments ont successivement sauté. Et le dernier, en tout cas un des derniers, parce que pour les affaires commerciales c'est plus complexe, il me semble que Prigogine est venu en catastrophe d'Afrique parce qu'il s'est rendu compte que cet aspect du marché qu'il avait passé avec Poutine était en train de sauter et qu'on commençait à présenter le Grou à la place de Wagner.